Bonjour sur la chaîne Mimanoufi. Aujourd'hui, nous allons faire un gratin dauphinois. Donc, pour 3 ou 4 personnes, un kilo de pommes de terre coupées en rondelles très fines, un demi-litre de lait, 20 centilitres de crème fraîche épaisse de préférence, du sel, du poivre, une grosse gousse d'ail, 50 g de beurre et 60 ou 70 g de gruyère râpée que l'on va mettre par-dessus pour gratiner. Voilà, on met le beurre à fondre. Et on ajoute les pommes de terre. On sale, sel, on poivre. On mélange bien sûr le sel et le poisson comme bien les pommes de terre. Et le beurre, évidemment. Déjà, on coupe et on laisse cuire. Au bout d'un quart d'heure de cuisson, on découvre la poêle et on ajoute l'ail. Le cal, bien sûr. On couvre et on laisse cuire. Il a fallu encore 10 minutes de cuisson, soit... Les pommes de terre sont cuites, on va les prendre et mettre dans le plat gratin. Toutes les pommes de terre, on va leur mettre le lait petit à petit, c'est-à-dire un peu maintenant. Voilà. Là, donc on a mis un grand verre de lait. Et on va les mettre au four. Au bout de 10 minutes de cuisson, une fois que le lait a été absorbé, on rajoute encore un verre de lait. Et on remet au four. Donc au bout de 10 minutes de four, le lait a été bien absorbé. On enlève maintenant, on ajoute la crème fraîche. Et on se poudre de gruyère râpée. Une fois qu'on a terminé, on va le mettre à gratiner. Une fois gratiné, il est prêt à être dégusté. Bon appétit.